c'est grâce à mes parents. Mes parents sont des cinéphiles et puis il y avait un rituel du week-end où on choisissait un film et on regardait ensemble le film, tous les quatre assis sur le canapé avec un petit repas que mon père avait préparé. Donc voilà, après ça doit être un Disney certainement. Blanche-Neige est un des films préférés de mon papa, donc ça peut être Blanche-Neige, quelque chose dans le genre. Pour moi, il y a eu Chantons sous la pluie, qui est vraiment un des premiers films qui m'a réjouie, qui m'a... ouais, je pense que c'est Chantons sous la pluie. Parce qu'il y avait tout, hein. Il y avait la danse, la musique, des acteurs formidables, l'histoire était merveilleuse. J'apprenais il y a un nouvel univers, on me racontait une histoire que je ne connaissais pas, du muet au parlant. Je me souviens d'avoir vu The Party avec Peter Sellers au cinéma et vraiment à me rouler par terre. Et j'attends, La Mafia à 9 ans, donc je pense que c'est parfait. Et j'attends ce moment et juste ce Peter Sellers déguisé en Indien qui ne veut pas mourir. Vous voyez, ça me fait déjà rire. Et le réalisateur qui n'en peut plus. C'est vraiment, j'attends de pouvoir leur montrer ce film-là. Là, ça y est, je pense que je vais pouvoir leur montrer cette année. Alien, ça m'a vraiment fichu la trouille, comme vous dites. Je me souviens que mon père a dû nous montrer un livre, me montrer comment la bête avait été faite pour prendre de la distance. Mais enfin, aujourd'hui, vous voyez, Star Wars, Harry Potter, les animaux fantastiques et tous ces trucs-là, ou les monstres, ou Stranger Things, que les enfants adorent. Bon, Alien, je pense que ça peut les faire rire. Non. Le premier Capra que je leur ai montré, c'est La vie est belle. Donc c'était en noir et blanc. Et je me souviens qu'ils m'avaient dit qu'ils n'avaient pas envie, forcément, c'est en noir et blanc. En anglais, donc je leur avais mis quand même version française. Et je leur avais dit, écoutez, on regarde les 5 premières minutes, si ça ne vous plaît pas, on arrête. Je le fais tout le temps, ça. Et les 5 premières minutes de La vie est belle, c'est un ciel étoilé avec une étoile qui parle à une autre étoile. Enfin, c'est Dieu qui parle à son petit ange qui va descendre sur Terre. Et au bout de 5 minutes, je fais bon, allez, en fait, c'est vraiment pas pour vous, c'est relou, c'est vraiment pas drôle, c'est en noir et blanc, on éteint. Et les deux, ils m'ont regardé genre, mais pas du tout, c'est génial, c'est en noir et blanc, on n'a même pas remarqué. Et en fait, quand l'histoire est bonne, quand le scénario est bien, enfin, les enfants, ils accrochent, ils oublient la couleur, ils oublient le format, ils oublient que c'est de l'animation, de la pâte à modeler, de la science-fiction. Enfin, voilà, il faut faire confiance aux enfants, ils rentrent dans l'histoire. What do you want? You want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down. Hey, that's a pretty good idea. I'll give you the moon, Mary. I'll take it. Then what? Well, then you could swallow it, and it'd all dissolve, see? And the moonbeams would shoot out of your fingers and your toes and the ends of your hair. Am I talking too much? Yes!